Bonjour. Alors, hier, la très jolie Elisabeth s'est retrouvée face à l'étoile mystérieuse, mais elle n'a pas pu donner de nom puisqu'elle n'avait pas fait de coup de maître. Donc, comme on peut voir, vous avez un nouvel élément qui est sorti sur la droite. Alors, ce n'est pas un fantôme, c'est une blouse, voilà, de médecin, hein, tout normal, hein. Et alors, vous avez, bon, comme vous le savez, dans l'étoile mystérieuse, eh bien, c'est Albert Dupontel, hein, que j'appelle Mickey Willis, hein, je vous dirai après pourquoi aussi. Alors, bon, vous allez me dire, alors, pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que, comme je vous l'avais dit déjà, il a fait des études de médecine à l'hôpital Bichat, dans le 18e, mais il faut savoir aussi qu'il avait tourné dans un film qui s'appelle La maladie de Saxe, et comme on peut le voir ici, il était en blouse. Alors que va-t-il être quand l'étoile va être trouvée? Est-ce qu'elle va parler de ce film, ou est-ce qu'elle va parler de ses études de médecine? Donc on verra bien, et puis bon, comme vous le savez, moi je l'appelle Mickey Willis, puisque c'est le nom du personnage qu'il a dans le film Bernie. Donc si vous n'avez jamais vu ce film, c'est vraiment un film à voir et à revoir, parce que c'est vraiment à tomber par terre. Et puis donc, il se fait appeler Mickey Willis en hommage à Bruce Willis, etc., quoi. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.